dans l'allégresse le Seigneur, chantons son nom très saint, allons à lui avec des chants de joie. Entends un peu sa paix. Regarde-moi, Seigneur, et prends pitié de moi qui suis seul et misérable. Vois ma misère et ma peine. Enlève tous mes péchés, toi, mon Dieu. Frères et sœurs, dans l'espérance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Je vous prie de vous joindre à moi pour élever nos voix vers le Seigneur en faveur de Jirès qui a rendu l'âme hier. Que le Seigneur l'accueille et lui accorde le repos de l'âme. Jirès, c'est l'un de mes fils qui a été victime d'accident. Je vous ai demandé de prier pour lui et on l'a opéré. Il avait cassé son cou. Et quand on l'a opéré, quelques jours, quelques temps après, il a succombé. Nous prions pour le repos de son âme. Il est très jeune. Il était très dynamique. Il était très lié à moi. Que le Seigneur l'accueille dans sa maison. Nous allons prier pour tous ceux qui ont besoin de nos prières. Il y a Saint Yémo, Marie-Thérèse, Mathieu. Nous allons prier pour Carissa et Franck, pour Achille, pour Martial, pour tous les malades, pour maman Béatrice qui est hospitalisée depuis quelque temps. Nous allons prier pour tous ceux qui ne parviennent pas à sortir de leur maison. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints. Et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions aussi pour Idriss Vianney et Lucien Eman Bouddha, qui rendent grâce au Seigneur pour un an de plus célébré en ce jour. Ils implorent le Tout-Puissant de bénir leur projet et de ne pas les laisser s'éloigner de sa face. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous en appelons à ta providence qui, dans ses desseins, jamais ne se trompe, et nous te supplions humblement. Tout ce qui fait du mal, écarte-le, donne-nous ce qui pourra nous aider. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre Apôtre. Chapitre 3, versets 12 à 15, 8, 17 à 18. Bien-aimés, vous attendez et vous hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront fusion. Car ce que nous attendons selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela,
faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix. Et dites-vous bien que la longue patience de notre Seigneur, c'est votre salut. Quant à vous, bien-aimés, vous voilà prévenus. Prenez garde, ne vous laissez pas entraîner dans l'égarement des gens dévoyés et n'abandonnez pas l'attitude de vos défermetés qui est la vôtre. Mais continuez à grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, dès maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Psaume 89. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde de avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier, c'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. Le nombre de nos années, 70, 80 pour les plus heureux, le plus grand nombre n'est que peine et elle s'enfuit. Nous nous envolons, misère. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler, et ceux-ci vinrent lui dire : Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit : Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. Ils en apportèrent une et Jésus leur dit : Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? De César, répondent-ils. Jésus leur dit : Ce qui est à César, rendez à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Vous voyez, on ne peut pas coincer Jésus, hein, parce qu'il est Dieu. Il connaît tout. Il est omniscient. Quand nous pensons
Ils connaissent déjà notre pensée. Hein, les gens-là étaient venus, les partisans d'Hérode et les pharisiens étaient venus pour le prendre dans un piège. N'est-ce pas? Ils cherchaient comme ça, là, les motifs pour l'accuser. N'est-ce pas? Dit que voilà, Jésus, là, est venu créer le désordre. Il est venu créer le désordre. Il refuse qu'on paye l'impôt. Oh, Jésus les connaissait déjà. Il dit, je vous connais. Ne me mettez pas à l'épreuve. Apportez-moi l'argent là. C'est la photo de qui est dessus? De César. Donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu ne discute rien avec César. À chacun sa place. Oui, cela nous permet, chers frères et sœurs en Christ, de parler du pouvoir temporaire, du pouvoir politique et du pouvoir spirituel. Pouvoir temporel, c'est le pouvoir politique que les gens de ce monde recherchent tant. Ils luttent même entre eux. Ils commettent des gaffes par-ci, par-là. Ils peuvent même tuer. Et on parle du machiavélisme. Ils tuent pour se maintenir au pouvoir. Ils mangent le pays jusqu'à lécher le plat. Tu parles, on te met en condamnité. Parce que c'est ce pouvoir-là qu'on veut conserver. Jésus est venu, il haranguait la foule. Il parlait, les gens étaient contents. Parce qu'il apaisait les cœurs. Il guérissait les malades. Il multipliait le pain pour nourrir la foule. Et beaucoup de gens le suivaient. Alors, les détenteurs du pouvoir temporel voyaient déjà en Jésus leur rival. Voilà celui-là. S'il pose la candidature maintenant, tout le monde va le voter. Ah, si on le vote, il va renverser Hérode. Il va renverser Hérode. Il fallait maintenant chercher des prétextes sur lesquels s'appuyer pour salir Jésus, pour le casser. Et il faut tendre le piège à tous les niveaux. Voilà pourquoi ils se sont bien assis pour venir lui tendre ce piège. Dites-nous s'il faut payer l'impôt ou pas. Il n'y a pas de discussion entre le pouvoir temporaire et le pouvoir spirituel. Le pouvoir temporaire gère les choses temporaires. Et ça va finir. Tout ce qui commence finit. N'est-ce pas? Le pouvoir spirituel est éternel. C'est pour la raison pour laquelle Jésus dit, « Ma royauté n'est pas de ce monde. » Jésus dit, ça, il est le roi de l'univers. Sa royauté n'a pas de commencement, il n'a pas de limite. Vous voulez me ramener aux choses de la terre? Hein? L'argent là, c'est pour la terre. Hein? Je ne suis pas venu ici pour ça. Et encore, que chers frères et sœurs en Christ, tout pouvoir vient de Dieu. Et tout pouvoir doit être exercé dans le sens de Dieu. Dieu ne te donne pas le pouvoir pour écraser ton frère et ta sœur. Dieu te donne le pouvoir pour servir. Le pouvoir dans le sens de Dieu, de Jésus, c'est le service. Celui qui veut être le premier doit être le serviteur de tous. Celui qui doit être le premier doit être l'esclave de tous. Donc il doit se courber, il doit travailler, il doit servir pour que tout le monde soit heureux. Ce n'est pas comme dans le pouvoir temporaire d'aujourd'hui, mal compris, que les gens utilisent pour se servir au lieu de servir. Jésus est venu corriger tout cela. Et comme Jésus veut corriger tout cela, les gens sont énervés. Il vient nous ficham, comme les jeunes ont l'habitude de dire. Il vient nous exposer. Il veut nous montrer. Il veut nous montrer quoi? Donc, chers frères et sœurs en Christ, donc, tout pouvoir temporel est soumis au pouvoir spirituel. Parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Et tout genou doit fléchir devant Dieu pour l'adorer.
pour l'adorer et non pas le contraire. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de discussion entre le pouvoir politique et le pouvoir spirituel. Il n'y a même pas de confusion à faire. Je voudrais dire comme ça là, aux détenteurs du pouvoir temporaire de rester tranquille. Nous ne vous regardons pas. Le pouvoir spirituel ne vous regarde même pas. Donc ne pensez pas qu'on est en train de discuter votre place. Entre le ciel et la terre, vous prenez quoi? Moi, je prends le ciel. Vous croyez que moi, je peux laisser le ciel pour entrer encore sur la terre? Je cherche à aller au... Je ne cherche pas à rester sur la terre. C'est vous, les politiciens, qui cherchez à rester sur la terre pour qu'on vous acclame tous les... Pourtant, vous n'êtes même pas Dieu. Vous ne pourrez pas prendre la place de Dieu. Si vous voulez être Dieu, soyez aussi éternel alors comme Dieu. Tu restes au pouvoir là, 40 ans, 50 ans, 100 ans, 100 ans, tu vas mourir. Tu vas mourir et on va t'enterrer. Et ton pouvoir temporel est fini. Donc, chers frères et sœurs en Christ, vous aussi, ne comprenez pas ce passage de la Bible comme les vendeurs d'illusions vous poussent à le comprendre. Donnez à César, même Dieu a dit que, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à César, à Dieu. Ils disent comme ça pour dire, allez offrir, quand il faut aller offrir les sacrifices au village, allez aussi offrir. Et après, revenez aussi à l'église. C'est faux. Parce que quand les gens veulent vous détourner de Dieu, ils inventent tout et ils vous racontent. Et les gens qui ne connaissent rien tombent dans leur piège. Dieu n'a jamais dit, allez offrir les choses. C'est notre tradition. On ne va pas abandonner notre tradition. L'homme, c'est sa tradition. C'est ce qu'on vous dit, non? À te point, c'est pas ça, vrai ou faux, vrai? C'est ça. Et on mélange comme ça. On ne vous a pas dit que c'est le macabo malaxé. C'est pas le topsy banana. Non. La foi, si tu as choisi Dieu, tu as choisi Dieu. Et tu fais comme Dieu te demande. Sans mélange. Que le Seigneur nous donne, chers frères et sœurs en Christ, de prendre garde. Ne vous laissez pas entraîner dans l'égarement des gens dévoyés. Et n'abandonnez pas l'attitude de fermeté qui est la vôtre, mais continuez à grandir dans la grâce et à la connaissance de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire dès maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen.
nous allons prier aussi, chers frères et sœurs en Christ, pour nos enfants qui vont vous présenter, qui vont composer le BPC aujourd'hui. Et le CEP, ils vont commencer à composer le CEP et le BPC. Que le Seigneur les bénisse et que l'Esprit Saint les accompagne afin qu'ils parviennent tous au succès pour faire la joie de notre paroisse, pour faire aussi la joie de nos différentes familles. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Confiant dans la tendresse, Seigneur, dans ta tendresse, Seigneur, nous approchons de ton autel avec respect en apportant nos présents. Puissions-nous, par un effet de ta grâce qui nous purifie, être renouvelés par ce mystère que nous célébrons. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toute la créature te sève, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer saint. Saint, 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 le Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue à la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lanticone et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Jirès Kamga, que tu as appelé auprès de toi. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur Idriss, sur Herman, qui célèbre
une année de plus sur tous les malades, sur Carissa, Franck, sur Achille, Martial, sur Nestor, sur tous les jeunes qui comptent sur nos prières, sur Hyacinthe, Marie-Thérèse, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous Dieu. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
âme, les faits vivent, les âmes. Et les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son âme. J'ai crié vers toi, Dieu, qui m'a exaucé. Incline ton oreille, entends ce que je dis. Achevons notre prière. Guide-nous par ton esprit, nous t'en prions, Seigneur. Toi qui nous as nourris du corps et du sang de ton Fils, accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement en paroles et par les discours, mais aussi en actes et en vérité, pour mériter d'entrer dans le royaume des cieux. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Amen. Donc je voudrais vous annoncer que jeudi matin, il y a messe, mais le soir aussi, on va célébrer une messe d'action de grâce pour clôturer l'année catéchétique et bénir les catéchistes. Et après cette messe, il y aura leur fête au presbytère. Donc venez nombreux soutenir les catéchistes ce jeudi soir, n'est-ce pas? Et préparons nos enfants. Il y en a des répétitions chaque jour à 15 dans notre paroisse pour qu'ils nous représentent dignement samedi prochain à Tamja, dans le cadre de la clôture des activités de l'enfance, de la pastorale de l'enfance. Et je voudrais aussi vous inviter à une grande messe en l'honneur de Saint José Maria Escriva et qui aura lieu samedi le 15 juin à Tamja. Vous allez me représenter, les mamans Hélène comme ça, les mamans Anne, les mamans Monique. Vous allez me représenter comme je ne pourrais pas être là. Et c'est nous qui organisons. Je suis membre des prêtres de la Sainte Croix de Jésus-Christ, qui les amis de l'Opus Dei qui devaient le faire, et comme je ne serai pas là, c'est vous qui serez là pour moi. Donc je vais prier aussi la chorale Saint-Antoine de me représenter là-bas. Bonne journée à vous tous. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce car il est bon. Éternel est son amour.